Bon alors, ce soir, je vais jouer à Donkey Kong 64. Donc, encore une fois, c'est du rétro achievement. C'est pour faire des succès, des achievements. C'est fort ça. Donc, je pars de zéro. C'est assez long la scène cinématographique. Pardon. Time for this moment. Soon, Donkey Kong and his pretty little island will be no more. Yes, Rafiki. From a sense that it will. No problems. Everything's fine. I want you to do everything in your power to keep Donkey Kong distracted. Steal that hoard of golden bananas he treasures so much, and take care of his pathetic friends. This time there can be no mistakes. Oh, Your Excellency, we've already taken care of business. I hope for your sake, you're right this time. No. While you'll be busy looking for your precious golden bananas and flea-bitten friends, I'll be preparing my lizard-flavored surprise. Ha 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 ha!
Viens vite. Ah bah, bon. Ok, j'aurai pas le temps de lire. Non. Allez, hop. Alors, j'y ai déjà joué, mais sans plus. Donc, je sais qu'il y a des choses que je réussirai pas à faire. Ta horde de bananes précieuses, ta précieuse horde de bananes et tous les autres Kong ont disparu. Je ne peux les trouver nulle part. Oh, putain, on n'a même pas le temps. Bon, je suppose que quand on lit l'anglais, on a un peu plus de temps, mais là, franchement. Alors. Bon, si... Attends, if it is in Malaysia... En Asie, je sais pas, je connais feignant, mais... Ouais. Ouais, en gros, je crois qu'il dit qu'il va donner quelque chose, les trois quêtes. Le son, mais pas dans le jeu, dans Windows, donc parce que là apparemment je peux pas, il faut que je quitte le jeu pour pouvoir modifier le son du jeu. Bon. Presse A pour attraper une grippe, une vigne jusqu'à une autre. Je connais pas le nom des touches. Retourne-toi, crétin. Bon, on va. Ouais. Alors. Pour avoir un problème avec la 3D. Alors, presse B pour prendre un baril, presse B pour le jeter. Ok.
Bon, là, j'ai pas d'achievement pour ça, non. Prends les oranges et presse Z. Ou après la croix directionnelle pour les jeter. Alors attends. Je les ramasse. Alors le Z, je sais plus sur quoi je l'ai mis. Non. Non. Attends. Émulateur. Non. Rien là. Non, bah je vais trouver. Je l'ai peut-être pas programmé. À moins que ça soit celui-là. Je l'ai peut-être pas programmé le Z. Là, c'est pour des touches. L1, L2, hop, oui. L3. Est-ce que c'est ça, L3? Oui, c'est bon. Bon, je vais aller sur l'autre. Je vais d'abord voir. Allez! Oh putain. Bon, là, moi, je vais tout de suite voir lequel est le Z. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, une pièce. Donc apparemment, d'accord, j'ai trouvé la touche Z. Enfin. Donc prends les oranges, tiens le Z et presse ouais, les flèches, ok. Le régler à un autre moment. Alors il est sur le bouton stick, c'est-à-dire quand on enfonce le bouton, le stick droit, enfin le stick, on l'enfonce droit. Tu as pris ton temps, donc et Simian Siam, Butus Bashium.
Bashum. Toi et tes amis qui manquent. Oh. Ok, donc faut que je te mette 15 médailles bananes. Pourquoi il m'a dit de faire ça, d'appuyer sur Z? À quel moment ça m'a utile? Enfin, là... Ah, c'est peut-être là. Ok. Ouais, elles me font des problèmes ou pas? Non. Juste là pour décorer. Ah non, c'est pas ça. Bon, bah apparemment c'est pas par là qu'il faut aller. Comme un dauphin. Ah oui, d'accord, je suis à fond. C'est par là que je... C'était la même, c'est celle-là? Donc c'est là que je dois faire ça. Voilà. Et t'as le droit de me donner des achievements quand tu veux, hein, c'est pas interdit. Ah, la souris. Il est de retour, donc Egon est de retour. Non, il est de retour, donc le roi machin, le Carole là. Ok, bon, je vais. J'arrive pas à lire, donc il n'y a pas de raison que je sois le seul à pas arriver, à pas réussir. Alors... Ça, c'est des... Quand j'aurai trouvé une... un autre truc 3 comme ça, ou 2, ou 1, je pourrais me téléporter... Et là, ça c'est pour changer les personnages. Pour changer, mais là je crois que j'ai accès qu'à Donkey. Pour l'instant j'en ai pas libéré, donc alors la zone 1 elle est où? La fait voir si ça marche. Non, non. Bon. Un peu bizarre ce saut. Est-ce que je peux grimper là? Oui. Y a-t-il quelque chose là? Dans l'autre sens, la caméra. La caméra. C'est quoi c'est... Pourquoi il y a des marques donkey là? Non,
non, ça va pas aller, là, il faut que je grimpe à l'arbre. Non, dans l'autre sens, la caméra. Voilà, ça c'est la zone 2, donc normalement, voilà, je peux me téléporter à la... Là où il y a la zone 2, là. Donc j'aurais plus à me taper le parcours là de montée. Par contre, je pense que je ne peux pas commencer là. On peut continuer à monter. Ah là, je dois enlever ça à mon avis, mais je peux pas pour le moment. Pareil là. Ah, donc on peut rien faire là. C'est devant là. Est-ce que c'est un? J'ai l'impression que c'est un 1. Oui, c'est un 1. Voilà. Son nom c'est son nom est KLMC et il a été enfermé ici parce qu'il ne voulait pas frapper des petites îles. Et comment, ouais, elles sont tellement bien, elles sont pleines de gentils singes. Oui, je vais t'aider. Tellement content qu'il fait sauter un truc qui m'embêtait, qui m'empêchait d'aller dans la première zone. Oui, donc Carole a pris toutes les clés de cette cage et il les a données à ses plus gros et plus effrayants monstres, de ses soldats de son armée. Si je réussis à les avoir, amène-les ici pour ouvrir les serrures. Vraiment, j'arrive pas à lire, hein. Ça va trop vite pour moi. Ah, où est-ce que ça a ouvert? C'est du côté là. Il faut que je lui donne des bananes que je, du genre que j'ai là, qui a servi pour ouvrir. Tiens. Allez, j'ai pas toute la journée.
Montre-moi tes manières. Ah, mais arrête, arrête. Putain, je peux pas lire. J'ai déjà du mal de traduire. Mais s'il me laisse même pas le temps de lire. Et regardons comment ce cinglé de Donkey Kong a progressé. C'est bien, mon petit ami, je sais pas. Le singe n'a pas encore eu sa première banane. N'a même pas encore eu sa première banane. Quoi? Comment il a fait ça? Très bien, singe. Mais non, c'est Donkey, c'est le. C'est l'âne. Bourrico. Bourric. Donc c'est ce Donkey, le prénom. Faut que je gagne 75 bananes pour avoir une médaille. C'est pareil, c'est difficile à manœuvrer. Mais non, il faut que... Comment je fais? Ben c'est pas simple, hein. Parce qu'il faut sauter, diriger avec la manette et appuyer sur le deuxième bouton pour il faut sauter avec le bouton, bouger puis appuyer sur l'autre bouton. Alors ça je ne peux pas, il faut que j'aille récupérer des un truc pour relancer dessus. Là c'est des interrupteurs, mais il faut que je balance des cacahuètes dessus. J'avais pas mis la musique à zéro. Carole, les mignons de Carole ont caché 25 bananes dorées dans cette zone, mais tu n'es capable d'en trouver. Oh. Je crois que c'est. Il peut en trouver que 5 sans l'aide des autres. Je voulais essayer de... Attendez. Pas de... Allez. On accélère un peu.
aller à Brège. Oh putain, tout ce qu'il y a comme... comme truc. Allez, à Brège, allez. Voilà. Donc le son... Moi, je peux très bien jouer un jeu sans musique. Hein. C'est pas vraiment un problème pour moi. Bon. Non. Attends. C'est pas. Attends. Est-ce que ça m'y envoie là? Là-dessus pour voir ce qu'il y a à faire, s'il n'y a pas un truc à récupérer. Ah non, c'est avec un... Ça, je dois pas pouvoir le prendre. C'est avec un fusil ou un truc comme ça que je peux péter le... Parce qu'il faudra que je fasse tous les niveaux avec chaque personnage. Tirer pour le moment. Est-ce que je dois récupérer quelque chose pour pouvoir tirer? Si je veux faire une arène, j'ai qu'à appuyer sur le Z là. Pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Bon ben. Ça fait un long moment, mon pote. Donc, Carole est de retour. Le retour de Carole était un réel bummer. Je sais pas. Bon, j'arrive pas, ça va trop vite. Faut que je prenne mon temps pour traduire. Tiens, il demande 3 pièces pour je sais pas quoi. Bah on va dire oui. Hein. Ah bah voilà. Presse le Z et puis... Thank you.
comment. D'accord. Comment on sort du... D'accord, c'est avec le deuxième stick que je peux... Ah oui, mais je... D'accord, je l'ai plus. Tiens, je vais aller voir si je peux péter le ballon jaune. Allez! Oh, ils font chier les ratons laveurs là, bleus. Alors. Comment je le rengaine, bon sang. Je vais pas aller me jeter à l'eau à chaque fois que je vais l'utiliser. Oui, ça c'est... Non, j'ai pas trouvé de zone 3. Ah, fais chier toi. À quoi ça sert? T'as pas compris encore que ça servait à rien. À voir. En tout cas, il y a des bananes. Non, je peux pas. Oh, quel bourrique, quel bourrique! Je trouvais le moyen de me planter sur le dernier, j'avais aucun problème, mais il fallait que je... Tiens, bonjour, Nectar Maxime. Bienvenue. Ah, où il est le... Alors c'est pas une découverte mais presque hein, le Donkey Kong. Donkey Kong. Non. Tourne-toi, comment tu te tournes? Bah moi ça va, merci. Et toi? J'ai besoin de l'aide de Funky pour... Là, je vais tirer sur ces interrupteurs, là. Je peux pas tirer là-dessus, c'est pas ce qu'il faut là.
Non, pas vraiment. C'est pas ma première expérience de Donkey, mais j'ai juste joué il y a quelques années comme ça, sans plus. Enfin, j'ai joué quelques heures, mais ça fait très longtemps. Et toi, tu connais? J'ai pas lu ce qu'il me disait. Bon, bah, je vais mettre. Ah oui. Bon. Alors, ça. Ah ouais. Ah d'accord, oui, c'est un jeu que tu connais. Tu connais bien donc. Comment je n'arrive pas à enlever le. Ah, moi, quand. Lanceur. Oui, ouais, bah, j'imagine, hein, surtout qu'en général, quand on est gamin, on n'a pas forcément beaucoup de jeux. Et donc, quand on en a un, bah, on le. Bien joué. Ah, bah, au moins, j'ai réussi à enlever le. Bah, moi, j'étais déjà assez âgé. Ça peut pas être de mon enfance parce que peut-être Mario aurait pu être un truc de mon enfance, mais est-ce que je. Je sors de ce. Ah voilà, j'ai réussi à l'enlever. Ah oui, ben ça c'est des grands classiques, hein, Zelda, Mario. Ouais, ça c'est des grands classiques. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ah non, d'accord, oui, c'est les autres qu'il faut. C'est ceux qui sont. Attends. Non. Voilà, bon. Bah, j'ai joué pas mal aussi sur les Zelda, Mario. J'ai même acheté une console spécialement pour, enfin, spécialement pour jouer à Mario, donc. Qu'il y a un truc sur lequel je dois tirer, mais ils sont où? Oh, mais il me fait chier celui-là. Attends. Je réfléchis. C'était quel Mario? Je crois que c'était pour la Super NES, donc le Super Mario. C'était pas pour la 64. Oh, mais. C'est fini, oui. Ah, est-ce que je peux faire péter avec une grenade là? Mais j'ai aussi eu le Mario 64, je crois. Oh, je sais plus. En fait, je l'ai fait acheter par mon frère.
Et je lui ai dit que je lui rembourserais, puis je lui ai jamais remboursé. Où est-ce que je vais aller? Ah maintenant c'est fermé. J'ai rejoué il n'y a pas longtemps à Mario 64. Oh bah ça serait surprenant qu'ils n'en fassent pas un nouveau pour la Switch. Hein. En général, ils réutilisent leur vieille licence en permanence, hein, parce que ils ont déjà une clientèle pour. Dès qu'il y a un nouveau Mario, il y en a qui vont l'acheter, ils vont même pas se poser la question de savoir si c'est bien ou pas. Alors que pour une nouvelle licence, les gens vont d'abord se renseigner avant de faire confiance. J'ai dû prendre le... Là, ouais. Ah bien sûr, des speedruns de Mario 64, ouais, que ce soit des 16, 70 ou 120 étoiles. Même des zéros, je crois qu'il y a. Ça, je suis moins fan. Ouais. Et comme j'ai rejoué à Mario 64 il n'y a pas longtemps, j'ai encore plus de respect pour les mecs qui font des speedruns parce que c'est un enfer pour moi. Le jeu, il m'a torturé. J'ai énormément de mal à jouer. Ah ouais, non mais je me rappelais pas que c'était difficile à ce point. Là, j'ai fait quelques heures de jeu, je dois avoir 25 étoiles. Ah tiens. Et j'ai vraiment galéré. Hein. Est-ce que je peux l'avoir de là? J'ai galéré comme pas permis pour... Attends... Mais bon, de toute façon, je savais que j'avais des difficultés sur Mario, c'est au niveau de la caméra.
Moi, je suis un vieux con et je suis arrivé au niveau des jeux, la 3D, ça n'existait pas. Hein. Donc, j'ai un peu plus de mal à m'y faire. Et la caméra de Mario, c'est un enfer pour moi. Celle-là, ça va, puisqu'on peut la mettre derrière Donkey. Mais encore. Elle est où la troisième? Je l'ai fait là. Je l'ai pas faite. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, c'est juste des bombes. J'ai même galéré pour des trucs très très faciles. Hein. La première étoile du premier niveau, tu sais, c'est quand il y a le... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. La bombe qui est attachée au poteau. L'espèce de chien, là, où on doit sauter sur le piquet pour l'enfoncer. J'ai bien mis une demi-heure pour l'avoir. Je n'y arrivais pas. J'ai bien mis une demi-heure pour l'avoir. Bon, c'est peut-être 25 minutes, c'est peut-être 35 minutes. J'ai plus exactement, mais moi, pour moi, ça a duré un temps fou. Dans mon idée, ça a duré un temps fou. Et celle à l'intérieur du bateau. Bon, j'ai bien mis 10 minutes pour monter, tellement j'arrivais pas à le manœuvrer, parce qu'il glisse, un petit peu, Mario, quand... Je les ai... Ah non, je les ai pas, évidemment. Mais dans mon souvenir, c'était pas aussi dur, Mario. Hein. Et je parle même pas de difficulté du jeu lui-même. Hein. C'est... manœuvrer, c'est la caméra, c'est tout ce genre de trucs, parce que autrement, j'ai pas fait de gros, de trucs difficiles dans Mario, là, pour le moment. À quoi ça sert, ça? Ça sert à quoi? Je sais pas. Bon, je reviendrai quand j'aurai des étoiles, non, des bananes. Bon, il faut que je trouve la... Ouais, ouais. Bah, c'est les débuts de la 3D, hein, donc... Ça joue, hein, je pense. Pas fait ici normalement. Non. Voilà. Voilà, un achèvement. Ah ouais, ben ça je connais pas, je connais que sur la NES 64, moi, enfin, et émulateur, hein, évidemment. Donc là, je ne peux pas parler pour la version DS.
merde, je croyais que c'était là. Ah non, c'est le... C'est de l'autre côté, là. Ah oui, je suis un idiot. Mais non, mais où il est? Je viens de le libérer, où il est? C'est en haut. Ah ouais, non mais alors, je suis un double idiot. Je suis un double idiot. Je peux pas les prendre, celle-là. Non, c'est pas pour moi. Oui, c'est. Je me suis rendu compte de ça au moment où j'étais revenu du côté là. C'est pour ça que j'ai. Putain, mais t'es un âne! C'est pour ça que j'ai dit que j'étais un double idiot. Oui, je me suis rappelé que la cage de était dans le coin. Ah bah merci à... comment Miracle Captor pour me suivre. C'est sympathique. Non mais pour quelqu'un qui commence, c'est toujours agréable, hein. Ça fait que quelques jours, en plus j'ai pas particulièrement de talent, donc je suis pas un excellent joueur, je joue pas des jeux à la mode, donc j'ai rien pour attirer les spectateurs. Allez, comment c'est le temps? Puis en plus, je suis un vieux con. Alors, ça aide pas. Le truc pour aller. Ah si, c'est où? Ça va où? Ah, ça va là. N'hésite pas à parler dans le chat, hein, je répondrai avec plaisir si je peux. D'à peu près n'importe quel sujet, sauf les sujets qui fâchent, en général. La politique, la religion, vaut mieux éviter. Il faut que je saute. Il y a un arbre là. Il faut que je saute pour les avoir. Attends.
Oui, je suis en France, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui habitent ailleurs qu'en France, mais oui, je suis en France. Ah, d'accord, en prenant le canon. Ah, voilà. Oui, je suis même des Vosges. Ah, pourquoi t'es pas en France? L'heure là, attends, il va être 9h. Il peut pas le buter celui-là? Tu es d'où, toi? Ah, tu es au Québec. Ça va, il n'y a pas encore de la neige? Et tu es québécois ou expatrié? Non, c'est dans l'autre sens. Ah merde. Et québécois, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que le truc où on donne les bananes là, je peux y aller avec des bananes d'une autre couleur ou il faut qu'elles soient toutes de la même couleur? On peut mélanger, d'accord, merci. Ben on va aller voir. C'est pour battre le boss, normalement, ça. Semblait. Tu l'as déjà fini à 100% le jeu? Ou 101%, je sais plus. Ouais, d'accord. Comment on y va? Attends. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon singe qu'il faut que j'ai. Hey.
Il faut que je prenne ça et que je le balance. Ouais, j'imagine. Merde. Bah, c'est aussi le but, hein. Si c'était court et facile, bah ça aurait pas d'intérêt de faire à 100%. Non mais je vois rien là. D'ailleurs c'est... Merde. C'est pour rallonger la durée de vie d'un jeu, hein, qu'ils ont fait cette histoire de 100%. Sinon ça a pas grand intérêt. Ah. Merde. On ne peut pas prendre le premier baril. Ah mais il l'a pas pris sur un jeu celui-là. Merde. Mais non. J'aurais déjà dû le... Tu veux le toucher trois fois, comme la plupart des boss en général, ou... Ouais, trois fois, ouais. Ah bah j'ai... Mais non, j'avais touché deux fois, je me suis défendu, oui. Ouais, plus qu'une, oui. Enfin, il m'en manquait plus qu'une. Tiens, toi qui as l'habitude du jeu, tu pourras peut-être me renseigner là. Parce que pour l'achievement, pour les achievements, il faut que je batte les boss sans me faire toucher. Est-ce qu'il est possible de les refaire ou il faut recommencer le jeu pour pouvoir retaper les boss ?
Oh là là. Ah oui, non, mais ça, ça va pas m'amuser, ça. Non, ça, c'est une contrainte que je veux pas... Je veux bien galérer pour faire des jeux, mais je veux pas être forcé de les recommencer. Non, bah alors ça, c'est des achievements que je n'aurai pas. Ou alors... un jour où j'aurais décidé de faire autre chose, mais... non. Ça, ça m'amuse pas. Que moi je veux bien recommencer 50 fois le même truc pour essayer d'avoir un achievement, mais je veux pas être obligé de me retaper tout le jeu pour et puis plusieurs fois éventuellement, parce que il faut faire tous les boss, enfin, chaque boss sans se faire toucher, donc non. Attends, faut que je vois. Pas de... Où il est son... Il l'a pas, lui? Il en faut un chaque... Non. Non, ok, bon. Ah ouais, non, c'est pas pour finir le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire les achievements. Mais bon, si... je sais pas, tu connais le principe des achievements? Ah d'accord, oui, donc tu connais... Non, mais parce qu'il y a un site qui s'appelle Retro Achievement, où il y a des amateurs, des gens ordinaires, pas des développeurs, qui ont mis au point des achievements dans les jeux, dans les vieux jeux. Et là, on marque des points. Tu connais le site Retro Achievement? Attends, je l'ai... Tu vois, c'est ça. C'est ça, donc c'est... attends. Tu peux... voilà, toutes les consoles sur lesquelles tu peux jouer sur certains jeux. Ils ont développé des émulateurs spécifiques, et c'est eux-mêmes qui gèrent les achievements et tout. Et donc tu as... Ouais, c'est pas mal comme principe. Et tu as beaucoup de jeux... attends, par exemple, tiens, je vais, on est sur la Nintendo 64. Elle est où? Elle est là. Voilà les jeux qui, où il y a des achievements. Ouais, bah si tu veux, attends, je te donne l'adresse.
Oh, il y a peut-être besoin juste de retroachievement.org. Le reste, je pense, c'est pas indispensable. Ah oui, là, c'est la liste des jeux. Oui, pardon, j'aurais dû. Bah, de rien. Et donc, tu vois, tu as tout un tas de. Par contre, ils ne fournissent pas les ROM, hein, des jeux. Il faudrait que tu les cherches, mais ça, c'est pas difficile. Eux, ce qu'ils fournissent, c'est seulement les émulateurs. Là, tu vois, là, on peut sauvegarder, on peut télécharger des. Là, le truc là, moi, j'ai celui-là. Et donc, ça supporte toutes ces consoles-là. Moi, j'aime bien le concept. Ça redonne envie, ça donne envie de rejouer à certains vieux jeux. Alors. Il n'y a rien à gagner, hein, juste un plaisir personnel. Quoi, il balance des noix de coco, des cacahuètes. Ouais, c'est des cacahuètes, donc il faut que j'en monte. Parce que comme je savais que j'en avais besoin pour ici. C'est chronométré, non? Par hasard là. Ah ouais, ça, je m'en souviens là, je vais galérer comme un fou encore. Ah, tu vas pas m'emmerder aussi, toi. Ah bah ça, je sais pas ce qu'il faut pour le 100%, hein, ça, ou le 101%. De toute façon, en général, il faut tout, hein. Voilà où je vais galérer. Ah voilà. Je déteste ça. Quand c'est juste. Parce que c'est la 3D qui la caméra qui me pose problème, moi là. Allez. Est-ce que je peux y aller par là? Non. Moi, c'est mon vrai problème, hein. Surtout quand il y a de la 3D comme ça, c'est l'enfer.
Déjà, je sais pas comment me débarrasser de la... Voilà. Alors. Oh putain. Il y a peut-être un moyen d'y arriver autrement, non? Je déteste ça quand c'est juste un... c'est pas un manque de... Enfin, c'est pas moi qui... c'est le jeu, clairement, qui est pas fait correctement. Non, je ne crois pas. Non, je... Ça doit être une truc de Xbox, je sais pas, c'est une que j'ai acheté. Il y a un bouton avec un grand X dessus, donc je pense que c'est. C'est peut-être la manette qui est pas. Bon, déjà, j'arrive jamais à me rappeler comment. Voilà. Ah ouais, non, mais je sais, hein, j'ai le même problème avec Mario. Bon, pour l'instant, je vais laisser tomber parce que... Mais je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu, hein. Le même problème. C'est ça, c'est les débuts de la 3D, donc ils se cherchaient. Maintenant ça serait plus acceptable, hein, qu'il fasse, peut-être en faisant dans le sens là. Non. Ouais.
Ah non, mais c'est... Ok, c'est pas là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de truander? C'est pas seulement que ça évolue vite, hein, c'est aussi que bah, quand il y a quelque chose qui améliore ce qui était avant, bah, en général ça reste. C'est-à-dire que maintenant on a. La caméra, je peux la mettre derrière le personnage ou devant, enfin, et elle y reste. Parce que là, j'ai pas le choix, j'ai que certaines positions. Et encore, il y a des endroits que j'ai pas. Enfin, c'est ça qui change, en fait. Ils gardent ce qui est bon. Ils améliorent. C'est pas tellement que ça évolue, c'est qu'ils améliorent. On va réessayer. Ah non, là... Ah putain, il faut qu'il m'emmerde là. Oh putain. Et je manque de patience pour ce genre de truc là. Je veux bien recommencer 50 fois un truc, mais dans ces conditions là, ça va pas pour moi. C'est... rien à faire là. Ouais, c'est pas... ouais, je vais ressortir de là, tant pis. J'aurai pas la pièce là. Ah oui, je suis tout à fait d'accord là. Mais il est pas rageant parce qu'il est dur. Il est rageant parce que, entre guillemets, il est mal fait. Un Dark Soul, il est fait pour être dur et ça va. Mais un Donkey Kong, il est pas fait pour être dur. Enfin, que certains passages soient durs, c'est normal. Mais que ça soit à cause du jeu qu'on ne réussisse pas et non pas parce que la difficulté fait que c'est dur, c'est ça qui est frustrant. Parce que je te disais là, tout à l'heure que quand j'ai joué à Mario, là, j'ai recommencé pendant une demi-heure le truc. Là, je savais que c'était parce que c'est moi qui arrivais pas. Mais c'était pas parce que le jeu était mal fait. C'était parce que j'avais du mal. Je dois avoir un problème avec la 3D, je perçois pas bien les distances. Et donc, je sautais juste à côté du poteau. Mais là, c'est l'enfer. Même si je considère que Mario, au niveau de la caméra, c'est mal fait. Hein. Et pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ah bah, je vais ramener la clé. Je vais voir si je peux pas faire autre chose. Je vois quelque chose. Est-ce que j'ai des portes où je peux aller? Là, je suis. Ne sois pas effrayé, jeune homme. Et c'est. Ok. Ah!
Ah d'accord, et j'en ai trois. Bon, bah, bref, ça. D'accord, il m'en faut deux autres. Bon, bah alors on va retourner dans le... Où c'est? Ah, c'est là. Il m'agace les ratons laveurs là. Ah, je vais aller dans la caverne là. Je crois que je peux y aller. Il y a un truc, je sais que je réussirai pas, c'est quand on doit aller au fond de l'eau. J'arrive jamais, dans ces jeux-là, je n'arrive jamais à diriger dans l'eau. Ah merde, c'est pas là. Non, il veut pas lui. Moi, c'est clair, j'y arrive jamais. Je déteste, déjà, je déteste les quand ça se passe dans l'eau, d'une manière générale. Mais en plus, quand on doit manœuvrer comme ça, et surtout quand c'est chronométré. Si c'est pas chronométré, ben on prend le temps, bon, ça va. Mais quand c'est chronométré, c'est infernal. Quand c'est chronométré, c'est infernal. Ah ouais. Ah bah il y a les mêmes problèmes dans Banjo, oui. Par exemple, quand on doit récupérer les notes de musique et que c'est chronométré et puis que c'est un parcours, je pense normalement là où il y a les marais. Il y a un truc où il y a des marais. Alors je sais plus lequel de Banjo, hein. Il y en a peut-être plusieurs. Mais il y a des marais et on doit faire un parcours pour récupérer les je crois que c'est des notes de musique. Et celui-là, j'arrive jamais à les avoir parce que ben j'arrive pas à diriger. Ben, je me demande si c'est très proche hein, parce qu'il y a aussi l'histoire de tirer avec le piaf là qui balance des trucs. On est assez proche de. De Donkey Kong, finalement, si ça se trouve, ils ont utilisé le même moteur de jeu pour le faire. Bah maintenant, c'est en parlant là maintenant que je me pose la question là. Ça ressemble beaucoup, graphiquement ça ressemble beaucoup. Il y a les mêmes principes. Donc, attends. Bah alors moi je suis pas un amateur de musique donc... Je ne me prononce pas là-dessus, ça, je n'ai pas d'avis sur les musiques. Je sais que c'est pas pour moi la musique.
chronométrer aussi. Bon, les piafs. Non, c'est des ratons laveurs, c'est pas des piafs. Alors, pour retourner à Donkey, il faut presser le Donkey. C'est là que je dois aller. Oh putain, c'est incontrôlable ce truc. Hein. Je sais pas, ça c'est peut-être fait exprès par contre. Comme il va tout droit, il est difficile à contrôler. L'animal en lui-même il est difficile. Mais c'est... Attends, non. Commence. Mais j'avais lu qu'il fallait tenir la... Comment on sort de ça? Ça fait quoi ça? D'accord, ça ouvre ça. Bon. Parfait. Les voilà les deux autres bananes. Ah ben j'ai un temps limité pour y aller. Et je suppose que je peux pas me téléporter. Oui. C'est en haut là. Non, attends. Merde. Non, c'est en bas là. C'est là. Non. C'était là qu'il fallait aller. Ouais, ouais, donc ça devait être là. Où c'est là? Ah, je vais récupérer ça déjà. Descends. C'est après le canon ou avant le canon? Si tu comprends ce que je veux dire, si je m'exprime assez clairement.
D'accord, donc c'est... C'est avant le canon, c'est avant de prendre le canon. Ouais, d'accord, oui, c'est avant de prendre le canon. Je vais y aller par là. Voilà. Et donc, je dois faire pareil avec Donkey Kong là. D'accord, je peux la prendre qu'avec Donkey Kong pour la pour celle qui est au début là. Normalement, je dois pouvoir la prendre avec Donkey Kong là. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Je vais sortir là. À moins qu'il y ait quelque chose à regarder par là. Ah non, mais ça sert à rien. Enfin, attends. Ah, je vais peut-être faire un petit tour. Ouais, ok, donc il faut que je change. Où je peux changer là. Ah là. S'approcher hein, puisqu'on n'est pas capable de... J'ai du mal à intégrer comment on se débarrasse de l'arme. Enfin, on rengaine l'arme. Et là, je peux pas. Là, je peux pas non plus.
C'est quand on a 70? Je croyais que c'était 75. Il n'y a pas l'air d'avoir de bananes là. Ah bah pourtant là j'en avais 71. Pas où, non, je crois qu'il faut les voir à l'intérieur de, du niveau. Oh, je me trompe peut-être. Hein. Alors. Non, c'est par là. Ah d'accord, c'est parce que j'en avais donné 4 au boss, ouais. Ok. Mais c'est logique de les compter. Ah c'est avec le... ça va être le sable là. Ah là, il y a les sables mouvants. Ok, là, je peux l'ouvrir avec Donkey. Pour le libérer et dans les nuages. Bonjour Didier, juste qu'il y ait une lettre quand il... Oh.
Donc, pour quelques pièces, elle va nous donner des instruments et des melons en bonus. Ah, de la vie. Allez, finis ton blabla. Ah bah ça va, j'ai plus de vie, c'est bon. Ça. Bon ben on fera ça quand ce sera le temps, c'est quand ce sera le moment, parce qu'apparemment c'est pas le moment. Je servais juste à l'ouvrir. Est-ce que je dois acheter aussi des... Attends. Stop ton blabla. Et ça sert à quoi?
Ah oui, je vais aller chercher les bananes qui sont au-dessus des arbres là. J'étais arrangé pour ne pas avoir à grimper à l'arbre et puis je me vautre. Ah, évidemment, il faut l'autre. Tu vois ? Bien joué, idiot. Ouais. Ben, je m'en suis rendu compte trop tard. Enfin, j'étais déjà arrivé, donc... Attends, c'est lequel ? Ça va être celui-là. Ça a juste ouvert la porte. D'accord, moi je pensais que ça me libérerait l'espèce de lama là, je sais pas. J'ai des trois pièces. Ah. Donc c'est la charge, ça. J'ai bien compris. Ouais, c'est ce que je vois, c'est le jetpack.
est-ce que je... Ah ben non, j'ai pas de... Ça va, j'ai juste 5 pièces. Vas-y, dépêche-toi. C'est ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Abrège. Ah tiens, on peut aller là. J'essaie de... Comment on utilise le jetpack? Il faut un... Ah non, d'accord, ça y est, je vois, il faut un baril spécial. Ah bah tiens, je vais péter le ballon ici. J'en ai un autre de ballon. C'est tout? Ok. Là, ça va, c'est pas chronométré, je peux prendre mon temps. Voilà. Donc... Mais il n'y a pas des crocodiles à récupérer, des petits crocodiles aussi? Ou c'est dans un autre... dans un autre donc quiconque. Non, d'accord, donc c'est pas dans celui-là. Parce qu'il me semble qu'il y a un Donkey Kong où on récupère aussi des petits crocodiles, mais comme pour faire le 100%, ce genre de truc. Non, j'ai pas d'exemple. Ah bah c'est un peu comme ça. Voilà, c'est là que j'ai eu le jetpack, je suppose.
Ouais, ça doit être Donkey Kong Country, un Donkey Kong Country. Mais qu'est-ce que je fais là? Invincibilité, d'accord. Donc je ah d'accord, c'est pour aller là quand quand ce sera ouvert. D'accord. Peut-être en faisant la charge, non? Non, c'est pas ça. Il faut le jetpack pour faire quelque chose là. Ouais, il y a une banane. Alors attends. C'est là que je veux aller. Non, je suis pas sûr. Je veux le jetpack. Pardon. Je veux le jetpack. Il faut passer, il y a l'espèce d'anneau là aussi au... Ah bah attends, je l'ai déjà raté. Comment je veux... Ah, il faut je tenir sur B. Thank you.
bien. D'accord. Il n'y a rien là-dedans. C'est pas un trou où on peut aller. Non. Il faut y aller 26 fois dans l'anneau ? Pourquoi faire ? Ah, 3. Ah non, 26, non, ça... Bon, je veux bien assister, le faire 3 fois. Je peux sortir et puis revenir Et il m'en a déjà validé une, ou il faut que je refasse 3 fois dans la même présence? Non, je suppose qu'il faut que je fasse... Ah oui, mais là j'ai déjà bouffé pas mal de cristaux là. Ouais, bah c'est pas grave. Bah je vais le découvrir. Bon, par contre, ça, je pense que j'en ai pas. Si, il va me donner quelque chose. Ah d'accord, ça c'est les trucs que je récupère en battant les... D'accord. Je vois pas comment c'est possible d'y aller 3 fois dans la même séquence, vu qu'il n'y a pas beaucoup de cristaux. Je vais voir, je vais essayer, mais ça m'étonnerait que je puisse y aller. En plus, je suis pas très adroit pour y aller. Un peu faisable. Enfin, quand on n'est pas un crétin. Ouais.
Non, c'est pas... C'est pas le bon, ça. Je crois que je vais sortir pour revenir parce que là... J'ai peut-être plus assez de... Surtout s'il faut passer sans se poser. C'est... Non. C'est pas... Je suppose que ça doit donner une banane. Ouais, ouais, c'est difficile à contrôler, donc... Non, j'ai pas le 5. En fait, je débloque une course. D'accord, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de jeu, les courses. Bon, par contre, comment je... Et le prix est une banane. Ah, d'accord, ouais. J'aurais pas pu faire plus simple et donner la banane directement. Essayer. Bon, déjà, magnifique. Ah putain, mais quel âne. Non, bah alors, tant pis, on essaiera une autre fois. C'est où la sortie? Non, c'est pas par là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est un accident. Oh. Bien joué. Oh, ça va encore bien me casser les...
Tiens, mais à quel moment faut... Non, faut qu'il soit bien dans la cible pour tirer. Andouille. Oh là 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 là. Là c'est pareil, c'est le genre de truc qui m'amuse pas ça. Ça se rapproche. Ah bah voilà. Ça m'amusait pas du tout, là, le petit jeu de tir, là. J'ai pas regardé ce qu'il a montré. Oui, ça c'est, j'en viens, c'est le... Ah, il y a un ballon là. Ok, c'est pas pour lui. Normalement, je peux pas le niquer, oui. Donc le seul que il faut que je tire avec tous sauf Donkey Kong. Ok.
j'ai peut-être. Combien j'ai des. Combien j'ai de bananes et combien il en faut surtout. Ça fait affaire juste. Hein. Ah, je suis un bon client, tu peux faire un rabais. Non. Oui. Évidemment, c'est chronométré. C'était juste pour ça. Bon, j'ai au moins les trois bananes. Ok, donc il faut la sortir, elle. Je suppose qu'il faut aller dans l'eau. Ouais. Mais non. Mais il n'y a pas de l'eau là? C'est pas de l'eau là? Yeah.
comment je vais dans l'eau. Parce qu'il faut pour l'ouvrir là. D'accord, ouais. Donc je peux pas y aller avec Donkey Kong. Je suppose que par là, il faut le jetpack. Ouais. Sinon, il y aurait pas les cristaux autour, là. Merde, putain. Putain, il faut que j'y retourne. Thank you.
Ouais, ça, c'est là où il y a la... la nana. Mais comment je... une idée. Allez, dépêche-toi. Ah voilà, il y a bien, il y a quelque chose à tirer là. Donc...
une petite idée de comment faire, mais... Ah, il a pas marché, bruti. Vous pouvez pas me lâcher 5 minutes ou... Vous n'avez pas vu que ça marchait pas. Bon, voilà. Ah non, il veut pas, hein. Ah, il veut pas. Non mais je laisse tomber là. Pour le moment, ça fait beaucoup. Alors, ah bah je dois avoir assez pour aller affronter le boss. Il est où? Il est là. Ah, il m'a 65. Oh, il me troll là. Ah non, ça c'est se foutre de la gueule de me. C'est se foutre de ma gueule ça. Putain. Où est-ce que je vais trouver une banane qui traîne? Ha!
Ah, ça y est, je sais maintenant. Allez, je vais prendre Donkey Kong, il a l'invincibilité là. Parce que je savais que je pouvais changer de personnage ici. Je vais pas chercher. Que je voulais faire.
Et en plus, c'est vrai. Hein. Je vais essayer de le battre sans me faire toucher. Que je saute. Il veut pas que je saute. Ouais, c'est le dernier essai que je fais à vouloir le battre sans me faire toucher. Après. C'est ça. Bon, moi je crois que je vais arrêter là parce que je commence à fatiguer. Ça fait 3 heures que je joue sur le jeu. Donc je remercie tous ceux qui m'ont regardé, les
Nectar Maxime et puis Miracle Captor. Ça fait plaisir d'avoir des gens avec qui discuter en jouant. C'est pas si souvent que ça m'arrive, donc merci à vous. Alors, attends. Save. Ok. Exit level. Non. Je vais sortir de là. Je vais aller lui ouvrir la porte. Ah bah tiens, je peux faire ça. Que je vais arrêter là. Ok. Voilà. Comme j'ai dit, je suis fatigué. Ça fait 3 heures pile, enfin une minute près. Donc presque pile. La cinématique. Game over. Voilà. Hop. Donc je coupe.